La vie se charge au jour le jour d'offrir des occasions de vivre un tel amour, cet amour que le Christ nous propose. L'important est de découvrir ces occasions, de les saisir avant qu'il ne soit trop tard. Aimer l'autre signifie lui tenir compagnie alors que tous l'abandonnent, lui consacrer du temps alors que les autres le côtoient sans le voir, l'aider à sortir des situations inextricables et désespérées, vivre en bonne intelligence avec lui, malgré son indifférence et sa froideur. Dans l'Épître aux Romains, saint Paul exhorte ainsi ses lecteurs. Ne vous modelez pas sur ce monde, au contraire, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Romains 12, 2. Cette exhortation doit être mise sans cesse en pratique, en la traduisant concrètement et en sachant mettre à profit toutes les situations. Il y faut de l'imagination, de l'invention, de l'initiative. Il faut aussi que l'on s'encourage mutuellement, qu'on se soutienne, qu'on fasse effort, qu'on se stimule les uns les autres.